Hey hey, bonjour à tous, bonjour YouTube, ici Margatax, on se retrouve aujourd'hui pour une découverte de jeu. Je ne suis pas chez moi, donc pas d'intro. On se lance tout de suite dans le vif du sujet et on est aujourd'hui sur Fallout Shelter. Donc l'idée c'est évidemment de se mettre à l'abri et de créer un abri dans l'univers de Fallout. Donc voilà, on va découvrir ça. Le jeu est sorti il y a déjà quelques temps, c'est un free-to-play, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. On va se créer un nouvel abri. Choisissez bien le nom de votre abri, réfléchissez bien car vous ne pourrez pas en changer par la suite. 885, abri 885, ok, bah écoutez... Très bien, c'est parti. Félicitations, Volt-Tech vous a choisi pour être le nouveau superviseur de l'abri 885. Les abris protègent leurs résidents des nombreux dangers des terres désolées. Le rôle du superviseur est d'entretenir l'abri et de le faire prospérer et de veiller au bien-être des résidents. La bande son est pas dégueulasse. Hein. Chaque salle met un attribut spécial à profit, affecter des résidents adaptés pour qu'ils soient... heureux et plus productif. Très bien, donc c'est de la gestion hein, classique, vous connaissez certainement déjà le jeu. Voltech attribuera une note quotidienne à vos performances. Bonne chance et n'oubliez pas le bonheur des résidents. Avant tout. Allez, on va aller voir ça, on va patienter. Si vous n'avez plus aucune zone constructible à un étage donné, construisez un ascenseur pour descendre, évidemment. Faire glisser un résident sur les terres désolées, ça expulse. Bienvenue dans votre nouvel abri, superviseur. Oh, le jeu est vraiment, vraiment, vraiment sympathique. Nous allons voir les principes de base ensemble. Très bien. Alors, on va commencer par construire une salle, un générateur, très bien. Alors, on peut choisir où on le construit, le générateur, on va le construire en bas. Je pense que c'est bien, comme ça il sera bien isolé. Ok, on a besoin de résidents. De nouveaux résidents sont apparus à la porte de l'abri. Ah oui, regardez, ils sont mignons. Alors, cliquez sur résident et affichez ses stats. Ok, d'accord. Très bien, très bien, très bien. Écoutez, m'a l'air bien. Pour assigner un résident, cliquez et dessus et maintenez pour le faire glisser jusqu'à la salle choisie. Donc on va amener ce monsieur. Voilà. On va mettre le deuxième résident au générateur a priori. Donc on va attendre. Petite cinématique, c'est sympathique. Ah, c'est sympa. Le jeu est beau. Le jeu est sympathique. Bonjour, madame. Ah non mais d'accord, en fait j'ai pas le droit de voir ses stats, il faut que je l'envoie tout de suite, très très bien. Donc ils sont deux à travailler au générateur, donc ça c'est le sas, et le générateur est au troisième sous-sol, il n'y a rien au deuxième pour l'instant, mais ça arrivera. 53, on a deux résidents et 53% de bonheur. Le jeu est vraiment joli graphiquement, c'est vraiment, vraiment très sympa. Maintenant que les résidents vont à l'œuvre, la salle va produire des ressources, double-cliquez sur une salle pour l'examiner, très bien. Alors, Alice et Louis, si vous manquez de ressources, vous pouvez utiliser le mode Rush. Cliquez sur le bouton Rush pour ouvrir le menu Rush. Ok, alors le bouton Rush, a priori je manque de ressources. Ok, on va faire un Rush. On active. Accident, 31% de chance d'accident. Ok, très très bien, d'accord, on a fait plein de ressources. Vous avez réussi votre premier mode Rush à récolter des capsules, très bien. On va construire une deuxième salle. Un fast-food, ok, très bien. On va construire un fast-food, donc on va le construire en haut, celui-ci. Cette fois-ci, voilà, très bien. Il veut qu'on construise un traitement de l'eau, ok, donc on va le construire, on va le mettre ici, pour pas que, voilà, ça touche à ça. Alors, on a des vivres et de l'eau pour vous lancer sur les jauges qui indiquent vos besoins en ressources. D'accord, donc là, a priori... Ah non, d'accord, tout s'est mis. Alors, de nouveaux résidents sont apparus à la porte. Maintenant que vous maîtrisez base, vous pouvez développer votre abri. N'oubliez pas, un bon résident est un résident heureux et vivant. Bonne chance. C'est chaud. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Alors, on va affecter tous ces braves gens. Bonjour. T'es un peu nul, non? Je comprends pas. Ouais, t'es pas bon. Toi non plus, toi t'es pas fou. Ah, toi t'es peut-être bien. Et toi t'es pas mal. Alors, elle va bosser au fast-food. En fait, je sais pas trop à quoi correspondent. Ah, voilà. Très très bien. Là, on a tout. Bonjour. J'ai peut-être pas besoin que tu me... Voilà, hein. Alors, lui par exemple, il est très agile. Excellent. Excellent, ouais, j'avais oublié le spécial. Ok, alors, bon, il est agile, on va le mettre là. Ah, c'est bien, ça me note en fait un petit peu ce qu'il faut. Donc là, il faut de l'agilité, très très bien. Toi, t'es fort pas bon.
Sauf en force. Alors, en force, vous pouvez envoyer des résidents explorer les terres désolées. Pour cela, faites glisser un résident à l'extérieur de l'abri et équipez-le. D'accord, on fera ça un petit peu plus tard. Quoique, toi, tu pourrais rentrer. P2, S plus 1. Ouais, mais en fait, ta force, j'en ai pas besoin pour l'instant. Toi, t'es un peu nul aussi. Toi, t'étais bien. Agilité 1, P5, regardez-moi ça. Voilà, et on réussit une petite quête. Alors, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Les résidents à stade spécial, chance élevée, réussissent mieux les rushs. Alors, portent plus de capsules en fin de production. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Donc, voilà, on a des gens qui travaillent. Et vous êtes tous nuls, quoi. C'est un peu tout le problème. A2, C2, P2, plus 1. Ok, bon, alors j'ai personne ici. Les hommes et les femmes qui se rencontrent dans les quartiers ont une chance d'avoir des bébés. D'accord, donc ça, c'est les quartiers, a priori. Elle, je l'ai affectée au quartier, donc je sais pas trop ce qu'elle fera, vous me direz, hein, un petit peu. Si vous savez, dans les commentaires, j'attends vos réactions. Alors, ensuite, bah, toi, t'es moins mauvais. Alors, 1, 1 et 2. Donc, toi, tu vas aller bosser là. Du coup, toi, 2. Il se passe un truc ici, on va aller voir. Quoi de neuf, docteur? Ah, fallait récupérer les ressources. D'accord, ça, c'est très très bien. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est très très bien. Améliorer vos salles de production pour produire plus de ressources pour se faire sélectionner l'icône de flèche dans le coin inférieur droit. Alors, on va déjà envoyer. Quelqu'un explorer. Pourquoi pas toi? Alors, tac, on va t'explorer. Bon, on n'a rien, on n'a pas de matos, mais tu vas l'explorer. Ok, bah, du coup, tes chances de survie sont pas fortes. Toi, mon toi, Julia. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? C1 à 0. Oh, bien. La dernière place libre de votre abri vient d'être occupée. Construisez plus de quartiers pour accueillir d'autres résidents. D'accord. Envoyer un résident sur les terres désolées. Très bien. 25 knock machin. Il me faut un quartier en plus. Ok. Ah oui, donc je pourrais améliorer celui-ci pour 250 et ça me ferait 8. Améliorer plus de l'actuel. Pour l'instant, j'ai le droit à 8 résidents. Ok, et j'en aurai plus 2 si je l'améliore. Donc on va l'améliorer puisqu'on m'avait demandé de le faire de toute façon. Donc ça me paraît bien. Ah oui, c'est plus grand là, non? Tout de suite, c'est plus grand. Ah, là, on a de la bouffe. Voilà. Nickel. On a de la bouffe, on a de l'eau, on a de l'électricité. On en a envoyé un dans les terres désolées, donc qui va explorer et qui ne reviendra peut-être pas. On a de l'eau. A priori, tout va bien. Alors, est-ce qu'on ne construirait pas une nouvelle salle? Les salles fusionnées peuvent accueillir plus de résidents et produire davantage. D'accord, très bien. Ascenseur, quartier, générateur, traitement de l'eau. Ah ouais, il y a encore des trucs qu'on n'a pas débloqués. On regardera ça un peu plus tard. Truc, c'est que pour l'instant, on est obligé d'attendre. Ouais, d'accord, là j'ai le droit à 2 résidents en plus. Donc ça, c'est cool. Votre abri manque de résidents. Affecter des couples au quartier et laisser faire la nature. Alors, toi, T1. T'es un mec, a priori. Joshua, ouais, très bien. Et du coup, il lui faudrait une nana. Donc, bah, pourquoi pas toi? Voilà, hop. Nickel. A priori, ils vont faire des choses. Donc, en fait, quand tu l'affectes là-bas, ça fait des enfants. C'est sympa comme principe. Bonjour. Bonjour, oui, allez-y. Discuter, eux, ils s'occupent de la bouffe. A priori, les résidents ne bougent pas, donc ça c'est bizarre. Ah, une nouvelle personne. Alors, ah, construisez ou améliorer des réserves pour obtenir plus de stockage. Alors, on va se construire une réserve, on fera ça après. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire de toi. A plus 1, P2. Ok, donc tu serais bien ici. Donc écoute, va ici, rentre chez nous, voilà, nickel. Hop, une nouvelle personne, un nouveau résident dans notre petit abri. Du coup, on m'a dit des réserves. Putain, regardez ce qu'on a en électricité, c'est ça qui est bon. Et regardez, niveau 2, nickel, ça nous fait un peu d'argent. Terminé, parfait. Vous avez remporté une boîte à sandwich, sélectionné l'icône correspondante du menu Pip-Boy pour l'ouvrir ou en acheter d'autres. Ok, alors on ira voir ça après. Ce qu'a priori, il y a lui aussi, voilà, qui est bien. Alors, tac, 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 le menu Pip-Boy, ah bah ça doit être ça, voilà. Débloqué ici, mesdames
mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, 100 pièces. 100 pièces, je sais plus ce que c'est. Un steam pack pour l'explorer. Un fusil. Très bien. Et du cuir Yaogé, ok. Excellent. Et encore des capsules. Parfait. Parfait, parfait. Alors, pour ouvrir sa fiche d'information, elle est équipée en armes, en objets, on lui est administré steam pack et radeway. Ok. Alors, on va faire ça. Toi. D'accord, toi, je vais te donner le fusil à levier. Hop là, et voilà, nickel. Parfait. Parfait, parfait. Oh, ils sont tombés amoureux, c'est mignon. Tu as une carte, je me perds dans le méandre de tes yeux. Ok. Bon, a priori, ils vont faire des enfants. Alors, on m'a dit, construis une réserve, Margatak. C'est bien, on va construire une réserve. Nécessite 12 résidents, d'accord. Donc, il me faut beaucoup plus de résidents dans l'abri. Là, on a un enfant qui est en train de se faire. Donc, ça, c'est cool. Hop, parfait. Toi, je t'ai affecté une arme. Toi, t'es enceinte, c'est très bien. C'est parfait. Non, non, franchement, ça se passe plutôt bien. Voilà, en fait je pense qu'il faut varier les gens qui sont ici pour faire des enfants. D'après moi, c'est un truc comme ça qui doit se passer et il faudra qu'on commence aussi à meubler. On mettra certainement la réserve au second, histoire de construire un truc un peu équilibré, un truc un peu sympathique. Alors un peu d'eau, ça c'est cool, un peu d'argent en plus, c'est parfait. En termes de tout, on est bien, lui il level up, parfait. Franchement, on se met bien. Vous me direz si vous voulez une série ou pas sur le jeu, si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos régulièrement ou pas. Voilà, vous me faites signe. Moi, j'y jouerai certainement sur mobile aussi, parce que le jeu est disponible sur mobile. Donc, voilà. Alors, Helen Peters. Elle m'appartient déjà pas, Helen Peters. Bah, écoutez, non, on va la faire rentrer. Alors, A0, S+1, P-1. Hein, mais t'es nul. Hop, allez, parfait. Par contre, il faut que je construise un nouveau quartier. Donc, on va faire ça. Construire des quartiers. Oui, on va les construire. Bah, pourquoi pas juste en dessous. Voilà, nickel. Est-ce que toi, ça vaudrait pas le coup? C'est un... ouais, si, on va te mettre là. Alors, on a un peu de bouffe. On a de l'électricité. Construisez deux ou trois salles du même type côte à côte pour les fusionner et faire une salle plus grande et plus efficace. D'accord. Donc là, on pourrait faire genre que des quartiers. Ça pourrait être bien. On va faire ça, on va faire ça. Alors, construire. Tac, ok, et... Voilà, et comme ça on aura des grands quartiers. Donc ça c'est cool. Petit quartier en dessous et grand quartier ici. Alice Taylor, hello. Qu'est-ce que tu fais là, Alice Taylor? Tu fais quoi toi dans la vie? Ah ok, non, donc il se déplace quand même, donc ça c'est cool. Ça c'est parfait. Toi, t'es enceinte de façon assez géniale. Et là, on peut prendre du monde. Il faudra certainement aussi plus de ressources hein, pour faire vivre cette petite colonie. Donc, on verra ça un petit peu plus tard. Mais là, on est bien sur une salle beaucoup plus grande et beaucoup plus efficace, a priori. Donc, on va essayer de faire ça. On va essayer de fusionner trois salles par trois salles. J'ignorais qu'il fallait faire ça. Maintenant, je le sais. Et on peut avoir des abris assez énormes. Hein. Ça, c'est cool. Ça c'est cool, on a tout le monde qui level up, c'est génial, c'est splendide. C'est incroyable, on va peut-être attendre d'avoir des gens qui rejoignent notre abri avant de faire des level up, avant de construire de nouvelles salles. Là on mettra sûrement plein de fast food, électricité d'un côté, l'eau de l'autre. Est-ce que, juste on va check un truc, traitement de l'eau. Ouais, ok. Je sais pas si... Oui, si. A priori, je vais pouvoir construire là aussi. Il va falloir que je construise un petit truc en face, là, sur mon réserve. Ah! Alors, plus vous construisez de salles, plus il faut d'énergie. Si la jaune d'énergie vire au rouge, des salles deviennent inactives. Les salles inactives cessent toute production. Ok. Alors, là, on n'est pas bon en termes d'énergie. Donc, on va upgrader la salle d'énergie, déjà. Et on va faire un rush. Allez, on fait un rush. On tente le rush. Hop, réussite. Donc ça, c'est très très bien. En plus, on débloque une boîte, donc ça, c'est cool aussi. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Hop, mesdames et messieurs. Alors, un kit right away, sans capsule,
du fil, très très bien, un pistolet à 10 mm rouillé et 500 capsules, donc ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a dans récupérer? Pas d'objet à récupérer, ok très bien. Alors on récupère de la bouffe, on récupère de l'eau, en fait là il y a des niveaux, il faut que je fasse un peu attention à ça. On va réaméliorer ça je pense, mais j'aurais plus de thunes. Ouais, mais en même temps, ça me permettra d'avoir plus d'énergie. Allez, on fait ça. On l'améliore encore une fois. Ok, parfait. Voilà. Alors là, je pense qu'on se met bien. Surtout, on va check, vérifier vraiment que sur l'énergie, ça va. Et je voulais faire un autre truc. Ah, bah attendez, il y a un nouveau résident. Donc ça, c'est bien. On va voir un petit peu ce que tu donnes. Parce que là, de toute façon, il y a du monde. Je vais pas faire que des rushs. Hein. Alors, 0, 0, 1, 2. Ok, et bah très très bien. Tu vas revenir dans la salle à énergie, nous produire de l'énergie parce que là il en faut. Il faudrait que je refasse un rush d'ailleurs. C'est chaud là, 43%. Ça commence à être un peu chaud. Ah oui, je voulais armer quelqu'un aussi. Pourquoi pas toi, Alice Taylor? Charisme, chance, force, perception, endurance, charisme, agilité. En fait, il faudrait quelqu'un de vraiment agile sur les armes, je pense. Si je dis pas de bêtises, ouais, toi t'étais agile, donc tu vas prendre le pistolet. Voilà, parfait. On va attendre que l'autre revienne de son aventure ou non dans les terres désolées, parce que je sais que j'en ai un. Explore, ouais, d'accord, il revient dans 9 minutes, donc ça c'est parfait. En termes d'énergie, vraiment, on n'est pas bon. Ça m'embête. Je peux plus l'améliorer, donc il va vraiment falloir que je reconstruise une salle. On va tenter un rush. Le truc, c'est que là, si je tente un rush, ça va être le merdier. En fait, si j'ai un incident, ça va être le merdier. Donc je ne sais pas. Il va m'en falloir vraiment beaucoup plus des salles d'énergie. Pareil pour les salles d'eau. Ça va qu'on prend des levels, qu'on prend un peu de pièces. Ok. Un peu de bouffe, donc ça c'est bien. Ok, on a de la bouffe. Il me faudrait une réserve aussi. Il me faut pas mal de choses. Hein. Là, il me faut vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Mais surtout de l'énergie. 45 secondes, ça vaut pas le coup de rusher. Qu'est-ce que tu fais, toi? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Dans l'abri, du coup, on a pas mal de... On a des petits trucs, donc ça, c'est cool. Alors, une nouvelle personne. Bonjour. Viens donc. Plus 1, moins 1, 2, moins 1. Ok, donc tu vas aller ici. Salle débloquée. On a plus d'eau et on a plus d'énergie. Alors, on va attendre l'eau, puisque ça arrive. Voilà. Pour fonctionner normalement, votre vie a besoin d'énergie, de vivres et d'eau. Si les ressources viennent à manquer, les jauges en haut de l'écran viennent en rouge. Des salles désactives, pas de vivres. Ils tombent malade et les résidents deviennent irradiés s'il n'y a pas d'eau. D'accord. On va commencer à faire un petit peu attention. Voilà, on récupère de l'eau, on récupère de l'énergie. Ok, mais clairement, ça va pas aller non plus. Ça, c'est combien? C'est 250 pour l'améliorer. Et pour construire une nouvelle pièce, donc là j'ai la réserve déjà. Hop, voilà, on débloque la salle, c'est 300. Moi il me faudra un générateur, ça coûte 125, et le traitement de l'eau ça coûte 125. Donc on les a pas pour l'instant, c'est un peu chaud. Ça, qu'est-ce qu'on a? Ah bah regardez. D'accord, donc là c'est les quêtes que je dois faire. Donc 50 vivres, ok, 50 doses d'eau et équiper un résident d'une tenue. Bah malheureusement on n'a pas de tenue encore, donc ça va attendre. Ok, je crois pas qu'on ait des tenues spéciales. Non, on est que des tenues très classiques d'abri, donc ça va attendre. Ok, là on a la... D'accord, il nous faut le bureau des superviseurs pour la liste des quêtes. Vous pouvez gérer vos armes et vos tenues. Ok, très bien. Très bien, très bien. Un peu de bouffe. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Alors, est-ce que, du coup, on leur dirait pas... remettez-vous au point. Ouais, non, je sais pas. On va les laisser armer. Je pense que c'est mieux. Je sais pas si on peut se faire attaquer ou pas, mais dans l'idée, il vaut mieux vérifier. Alors, ça, d'accord. Ok, c'est tout ce qu'on peut... Tout ce qu'on a. On a plus d'eau. On a plus d'eau. On va faire un rush dans la salle de l'eau. Et check du rush. Alors ça, c'est pas très très bon. Un incident peut se souvenir aléatoirement dans une salle
ou quand un rush échoue, les résidents présents gèrent automatiquement l'incident pour intervention. S'ils perdent de la santé, s'ils échouent, l'incident s'étend aux salles voisines. D'accord. D'accord, d'accord. D'accord. Ça, c'était pas ouf. C'était pas ouf, c'était pas ouf. Et du coup, on a plus d'eau, les amis. Est-ce qu'on retenterait pas un rush? C'est 44%, elles ont raté au 30%. C'est vrai que, voilà. Quelqu'un devait vérifier les joints de la porte de l'abri. Pourquoi? Augmenter la résistance, d'accord. Ouais. Elle est pas contente, a priori. Pourquoi t'es pas contente, ma grande? Ah, en fait, il faut que je vérifie aussi ça. Si les gens sont contents ou pas. Toi, t'es très content, très bien. 75, 56. Est-ce que tu voudrais faire autre chose de ta vie, toi? Est-ce que... C'est ça qui t'embête. Plus 1. 0. Hop. Plus 1. Ok. Et si je la repasse là? Ouais. Ouais, d'accord. Donc on va effectivement la laisser là. Vous êtes comment? 75. Très bien. 75. 100%. Nickel. Et 100%. Toi, par contre, t'es pas contente parce que tu veux travailler dans l'agilité. Donc effectivement, tu vas remonter. On va prendre un peu d'énergie. Et toi, t'es contente. Ok. Ok, ok. À part que on n'a pas d'eau. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bonjour Michel. Toi, je t'ai pas dit de... D'accord, je t'ai mis là. Très bien. De la bouffe, par contre, on en a. Hein. Ça, clairement, ça avance bien. C'est cool. L'eau, c'est compliqué. Franchement, j'ai envie de tenter un rush. Allez, on tente un rush. 43% de chance d'incident. Oh, deuxième échec sur le rush. Il fallait le tenter de toute façon. Invasion de Rakafar au traitement de l'eau. D'accord. Bon. Eh ben, battez-vous les filles. C'est donc pour ça qu'il leur faut des armes. Donc il faut mettre une arme par salle, je pense. Oh là 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 là. Ça commence mal, cette aventure. Ça commence mal, les amis. Bon, en tout cas, nous... On va se laisser là-dessus sur cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas... Que dire de plus? Que dire de plus? Que dire de plus? Oh bah oui, évidemment, le forum, Discord, Twitter, Facebook, je vous attends de partout, je vous attends nombreux. Merci beaucoup, vous êtes absolument formidables. Ciao tout le monde, c'était Marc Attacks.